Oui, la presse en France, on pense d'abord à la presse écrite. Nous sommes en situation, dans la région Rhône-Alpes, d'avoir deux grands journaux qui se sont partagés les zones de diffusion, je pense au quotidien, que constitue le groupe Progrès et le groupe Dauphiné, même s'ils appartiennent maintenant au même groupe financier qui compose, qui structure le paysage du sud-est français. Ces journaux sont en train de faire une mutation considérable parce que leur lectorat évolue, les sources d'information évoluent et leur support évolue. Ceci étant, regardons la réalité. Nous sommes une grande région, 6 200 000 habitants, grande comme la Suisse de par sa taille. On peut dire que la presse aujourd'hui reste encore, par rapport à de grands pays, insuffisante. Moi, je veux qu'il y ait beaucoup de sources d'information. Donc les radios sont un élément, les télévisions, nous avons ce point de vue, à côté de France 3, les télévisions régionales ou de bassin de vie qui ont des difficultés à se financer, mais qui sont des sources d'information. Et puis, il y a tout ce que représente le net aujourd'hui comme réseau d'information à caractère professionnel. Je ne parle pas des échanges que les individus peuvent avoir directement entre eux. Il y a besoin d'un professionnalisme de l'information dans un sens multimédia. Le rôle de la région, c'est de permettre cet accès au numérique, de permettre que nous ayons, que ce soit en équipant les salles de cinéma, que ce soit en équipant, en permettant, en contribuant à l'équipement des radios en numérique, voire aux télévisions pour accéder aux canaux satellites, de permettre que nous ayons dans la région Rhône-Alpes cette multiplicité de sources d'information. Une région, pour être vivante, pour être rayonnante, a besoin qu'il y ait une expression qui ne soit pas contrôlée par le pouvoir politique. D'ailleurs, personne n'y pense aujourd'hui, personne n'y songe, mais qui soit favorisée sur tous les terrains, dans tous les domaines. Et nous avons, on voit bien, on passe, on évolue très fortement, l'information n'est plus maîtrisée par des sources qui sont quelques-unes dans une région. Les sources deviennent multiples. Mais encore faut-il qu'elles puissent accéder à des créneaux qui leur permettent d'être vues et d'être entendues.